sud de Charente et je suis viticulteur et prestataire de service. Alors moi, j'ai exclusivement du Unfaco. Ça fait plus de 3-4 ans que je taille avec du Unfaco et je ne changerai certainement pas. Là, à l'heure actuelle, on est sur du 3015 et on a aujourd'hui un modèle de coupe chez Unfaco qui nous facilite le travail, aussi bien que de la coupe ou de la facilité d'utilisation. Je suis tractoriste, je conduis les enjambeurs, je fais les traitements, les labours et je taille la saison d'hiver. Donc j'utilise les ciseaux électrocoupe qui pour nous sont au top. La coupe bien nette, l'ouverture pour les coupes, c'est des ciseaux légers, maniables. La petite batterie, ça prend pas de place et on fait la journée tranquille et on le charge tous les deux jours après 8 heures de travail, une bonne tenue de charge quoi. 37-40 hectares à peu près toute l'année pendant la saison. Et au moins on n'entend pas les marques concurrentes qui font du bruit à côté. On a 8 sécateurs Infenco de 3005 au 3020, on va en acheter un là. Bon, moi je peux vous dire, j'ai travaillé avec jusqu'à la fin de la grossesse. Ah oui. Non, avec Infaco, hein. Jusqu'à la fin de ma grossesse. Je taillais, tiré les bois jusqu'à mon 9e mois et ça s'est très bien passé. Alors là, Bobo Cyril, je bosse à Lafitte Rothschild. On est assez bons clients de vos sécateurs, on a 35-40. Là, on a les 3015. Vous les avez depuis longtemps, vos 3015? Ça fait déjà 2 ans, je crois. 2 ans. 2 ans à peu près, ouais. Parce que c'est les leaders du marché et ils sont français. On vient de 11-3005, on a acheté les 3005, les 3010 et 3015, et là on vient d'arriver au 3020. Donc en fait, on a pu suivre toute l'évolution des sécateurs de chez Infaco en fait, et on en est ravis. Et là, pour la taille, on vient d'acheter 11 sécateurs F3020 wireless avec le DSES. Déjà, hier, ça, le fait de pouvoir le désactiver, le réactiver en permanence, ça c'est le top. Prise en main par rapport au 3015, il est deux fois mieux. Il a d'ailleurs la légèreté, il est très léger. La batterie, c'est pareil, très léger. Franchement, c'est le top. Ah, je suis fidèle à Infaco depuis 1996. On a commencé par le 3005, le 3010, le 3015 et là on est en train de voir pour le 3020. Alors ça c'est pour mes vieux jours. J'ai mon fils qui me l'achète pour moi pour que je puisse continuer à travailler. Ben, pourquoi Infaco? Parce que de toute façon il y a la fabrication et puis il y a le service après-vente qui est pour nous est très important. On a l'avantage d'être sur le site et pour nous c'est très important. Quand j'achète un matériel, j'aime bien acheter un service. Parce qu'un matériel, même neuf, tombe en panne, les services derrière, on ne vous laisse jamais tomber en panne. Ou on vous remplace, ou on vous prête, vous ne restez jamais dehors. On est à 70 hectares en bio. On travaille avec vous depuis une dizaine d'années maintenant, pour la qualité, pour la vitesse de coupe et surtout pour la précision. Ça fait des coupes plus marquées, c'est mieux quoi pour nous. Et voilà, donc maintenant on a 6 sécateurs, 3015. C'est du matériel qui est très solide, très précis. Une rapidité pareil de coupe qui est impressionnante par rapport aux concurrents. 100% Infaco depuis le début, c'est la qualité. Et je pense que l'année prochaine, on va renouveler pour prendre du 3020. Moi, j'ai une petite exploitation qui compte environ 7 hectares de vignes. Je travaille également chez un viticulteur pour complémenter mon activité qui a une cinquantaine d'hectares de vignes. Alors actuellement, on est sur de l'Infaco en 3010 et 3015. Et là, on vient d'acheter le premier 3020. Alors, on était satisfait de sa batterie. Son poids, sa rapidité de coupe par rapport à d'autres marques. Sur une saison de taille, la différence est flagrante. De gain de temps, de fatigue au travail, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Donc le F3020 est en commande. On va commencer la semaine prochaine à tailler avec et puis ce sera que du mieux. Si Electrocoupe sortait un sécateur comme le 3020, c'est qu'il y avait encore du progrès. Efficacité ? Solidité, le service. Pour moi, ce serait le top. Simple d'utilisation. Très pratique, très maniable. Qualité. La qualité.